Vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne? Ben n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est Trax, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va se retrouver pour un tuto comment tomber sur des noobs sur Call of Duty. Alors je tiens à vous l'assurer que ces techniques fonctionnent très très bien. Ce n'est pas un nouveau glitch ou quoi. Non, c'est des conseils que je vais vous donner. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. En tout cas, c'est une technique qui fonctionne sur tous les Call of Duty confondus, mis à part AW, car il avait un système de matchmaking différent des autres Call of Duty. Par exemple, quand tu avais 2 de ratio, tu allais tomber sur des gars qui avaient 2 de ratio. Et quand tu avais 0 ou 20 de ratio, bah, tu allais tomber sur des grosses merdes avec un niveau similaire au tien. Heureusement, il n'y a pas eu ça sur Black Ops 3, à part une seule journée où d'ailleurs tout le monde s'est plaint sur Twitter à insulter les développeurs de Call of Duty. Et ils nous ont remis un système de matchmaking comme on avait au début et comme on a maintenant, un petit peu aléatoire. Donc cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez envie de débloquer des nucléaires facilement, etc., écoutez bien mes conseils jusque la fin, c'est très très important. Pour commencer, c'est très très bête, mais il faudra désactiver les DLC, parce que oui, les joueurs qui achètent les DLC, forcément ils ne claquent pas 50€ pour acheter des saisons pass or qu'ils sont nuls. Non, c'est quand même des gens qui jouent souvent en Call of Duty, ce qui veut dire que les gens qui jouent souvent en Call of, ils ont un assez bon niveau, ou du moins un niveau intermédiaire. Donc si vous avez acheté des nouvelles cartes, ben n'hésitez pas à les désactiver. Malheureusement, sur le compte sur lequel vous êtes et sur lequel vous les avez achetées, ce n'est pas possible. Il faut créer un nouveau compte à côté. Et bien sûr, il faudra désactiver le compte sur lequel vous avez les maps DLC de votre PlayStation principale et en mettre un autre qui n'a pas justement ces DLC. C'est très très important les potes, ça paraît peut-être con, mais déjà ça, je peux vous le garantir que ça vous avantagera au niveau des recherches de parties. Vous allez tomber contre des petits niveaux, puisque oui, ils n'ont pas l'habitude de jouer à Call of Duty. Un truc que je vous conseille aussi, c'est de lancer en solo, car oui, sur Black Ops 3, quand tu lances en groupe de 6, c'est très très rare de tomber sur des mecs en solo, ça vous pouvez le remarquer. Souvent on tombe sur des groupes de 4, 5 ou 6. Et ceux qui jouent en pote, en domination, c'est des tryhards. Alors non, bien sûr, ce n'est pas obligé qu'ils aient un bon niveau, mais le plus fréquemment, c'est ce qui se passe. Alors jouez en solo dans les modes de jeu tels que domination, hein, pas Moshpit KO, MME aussi, MME, là il y a beaucoup de noobs, mais les générales, les tryhards qui y sont jouent sur les maps de LC, donc n'ayez crainte, vous ne croiserez pas de tryhard, du moins normalement, à part si quelqu'un fait la même technique de vous dans ces modes de jeu. Donc oui, la vidéo est assez courte, mais c'est des conseils que je me suis dit, pourquoi pas vous les partagez, même si je sais que beaucoup de youtubeurs ont dû faire cette vidéo, du moins le même style, peut-être pas avec les mêmes conseils que moi, je ne sais pas, car non, ça m'est jamais venu à l'esprit de regarder ce style de vidéo, je tiens à vous le préciser. Le gameplay que vous avez eu en fond, c'est un 30-0, donc un titre explosé, une nucléaire si vous préférez, sur la map Evac avec la Vesper. Donc les gars, je vous demande de lâcher un maximum de pouces bleus, objectif 300 likes, je sais qu'on en est capable. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, ben je vous invite à le faire, car j'arrive très très rapidement aux 20 000 abonnés et ça me ferait extrêmement plaisir de les avoir avant la fin du mois de mars. Sur ce les boys, c'était Trax et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.